coup le DS. Ça 10. Bien. Ouais, il cherche le Liku là, il cherche. Je pensais que c'était parce que j'étais en mouvement, mais non. C'est bien, on a fait le tour pour rien. Ah, je ne vais pas y arriver, ce fou! Pas de réponse, il semble s'être évanoui. À l'aide, sauvez le père. Prends ma main. On va se faire un peu de lecture. Heureux les pêcheurs pleins d'illusions, car souvent les illusions sont détruites. Francisco. Il aurait pas piqué une célèbre citation, lui. J'ai toujours aimé les jeux de mollets pour cerf-volant. PS, je mérite une plume d'honneur à mon chapeau pour celle-ci. Ah, chapeau à plume, casque de cuir, plus celle de chimère. Bah oui, évidemment. Que dit un homme qui s'est fait avaler par une baleine? C'est assez! Ah ah. Il s'agit d'un livre intitulé Les Calembours, la passion de ma jeunesse. Il semblerait qu'il ait été écrit par le père Francisco. Tout petit déjà, je me plongeais dans les délices de la création de calembours. Je m'imposais un régime particulier. Je devais chaque jour trouver 5 nouvelles blagues et 10 calembours. Ce livre représente le fruit de mes efforts. Voici la sueur, les larmes et le sang que j'ai versé pour le rire. J'aime bien les 3 petits points. Tox feuillette avec un petit ricanement ce recueil de mauvaises blagues du père Francisco et le remet sans bruit sur l'étagère. Il y a de nombreux livres qui traitent de l'église et de la religion, parmi lesquels une histoire de l'abbaye de Maella, les cantiques à la portée de tous et la route de Néos. Sans bruit. Ah, qui est ce fou? Le père, je vous en prie, sauvez-le! Ce fou, il avait l'air de se comporter normalement à son arrivée, mais tout à coup, il est devenu comme fou. Popopo! Il a commencé à rire, il était hystérique et il est parti. Il est allé directement à la chambre du vénéré père. Nous avons essayé de l'arrêter, mais même à 3. Je n'ai pas pu l'arrêter, il en veut au père Francisco. Argue. Le vénéré père est en danger. Je crois qu'il a déjà cuit le père. Hein. Coucou. Il m'a fait un sourire et s'en est. Je crois que j'ai une touche. Eh, tu dors? Putain, j'ai jamais vu une coiffure aussi improbable que celle-là. Une funeste présence flotte dans l'air. Et qui êtes-vous? Vous désirez me parler? Les voilà, ce sont eux. Vous serez damnés pour avoir essayé d'assassiner le père Francisco. Que se passe-t-il? Père Francisco, Capitaine Marcelo, à votre service comme toujours. Ah, Marcelo, dis-moi ce qui se passe. Il y a eu une intrusion, de nombreux gardes ont été gravement blessés. Quoi? J'ai eu peur que vous ne soyez en danger, c'est pourquoi je suis venu immédiatement.
Et nous avons attrapé ces criminels. Ils ont rôdé autour de la baie une bonne partie de la journée. Il semblerait que nous soyons arrivés juste à temps. Loué soit la déesse, vous êtes sains et saufs. Attends, ces gens ne sont pas des criminels. Je vous en prie, vénéré père, ils ont été pris en flagrant délit. Regarde dans leurs yeux. Vois comme leurs cœurs sont purs. Ces personnes ne sont coupables de rien. Mais... Très bien, mais nous devons savoir ce qu'ils faisaient ici, dans vos appartements, à cette heure avancée de la nuit. Laissez-nous au moins éclaircir ce point, s'il vous plaît. Oh oh, tu te fais bien du souci, Marcelo. Très bien, si c'est indispensable. Merci, vénéré père. Allons-y. Je crois qu'il veut nous torturer, lui. Écoutez, on n'a rien fait de mal. Oui, on vous l'a dit, c'est votre homme qui nous a demandé d'aller voir le père Francisco. De quel droit nous retenez-vous ici? Le père Francisco est trop indulgent. Si vous êtes innocent, alors qui a attaqué mes hommes? Moi, en revanche, je suis bien moins indulgent. Vous ne pouvez pas me tromper, alors n'essayez pas. Vous vous confesserez dans... Qui est là? Vous vouliez me voir, capitaine? Entrez. Coton-tige-sama, non? Pardon. J'ai une question à vous poser, mais j'ai autre chose à vous dire avant. Nous venons d'arrêter ces intrus dans la chambre du père Francisco. Ils ont tenté de le tuer. Ils ont blessé 6 de mes hommes. Très bien, le problème est le suivant. Mon corps de garde est inattaquable, j'en suis certain. Il est impossible à des étrangers de pénétrer dans l'abbaye. À moins bien sûr qu'ils n'aient été aidés de l'intérieur. Et vous n'allez pas le croire, quand nous les avons fouillés, nous avons trouvé cette chevalière. Templier Angelo, où est votre chevalière? Montrez-la moi immédiatement si elle est en votre possession. Ouf, elle a été retrouvée, louée soit la déesse. Quoi? Quelqu'un me l'avait volée à la taverne et de toute évidence ces bandits vous vont apprendre que le crime ne paye pas. Volée? Quoi? Sale menteur! Que pourrions-nous bien faire d'une telle bague? Il nous a tendu un piège. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas croire un misérable tricheur dans ton genre. Je n'ai rien d'autre à ajouter, vous pourrez me trouver dans ma chambre. Un instant, ce n'est pas terminé. Bien, je m'occuperai de lui plus tard, chaque chose en son temps. Vous m'avez déjà fait perdre assez de temps, ne me poussez pas à bout, je veux des réponses. Que vouliez-vous faire au père Francisco? Avouez. Combien de fois faudra-vous le dire, hein? On n'a rien à avouer. Qu'est-ce que c'est encore? Nous avons trouvé un monstre suspect rôdant autour de l'abbaye. Quoi? Quelle sorte de monstre? Ah, mais comment osez-vous? You, Youngus, Jessica, que faites-vous ici? Ah, le roi, il a fumé de l'herbe ou quoi? Vous étiez parti depuis si longtemps, je commence à m'inquiéter, alors j'ai décidé d'aller à votre recherche quand ce... Alors, ce monstre est un ami à vous. Quel cœur pur vous avez. Mais enfin, lâchez-moi immédiatement, hein, selon vous rien, dites-lui de me lâcher. Vous êtes donc de mèche avec le monstre. Vous avez peut-être réussi à tromper le père Francisco, mais ça ne marche pas avec moi. C'est le monstre qui vous a ordonné de voler la bague et de pénétrer dans l'abbaye, n'est-ce pas? Maudit païen. Vous pensiez terroriser la population en tuant le père Francisco, les faire douter de leur foi, puis vous vouliez prendre le pouvoir, j'imagine. Enfermez ces monstruosités dans une cellule. Demain à l'aube, je vous soumettrai à la torture. Peut-être réaliserez-vous alors la gravité de vos actes. Nous nous reverrons au lever du soleil, donc dormez bien. C'est un grand malade, lui, hein. Je ne suis pas un monstre, je suis un roi. Quelle bande de crétins, ces templiers. Mais l'autre, il va venir nous sauver. Ça ne sert à rien de brailler. Utilisons plutôt nos têtes pour sortir de cette cellule. Tu n'aurais pas une idée, Tox? Si. Chut, quelqu'un approche. Bah, j'ai fabriqué une clé magique là.
Bonsoir tout le monde, content de voir que vous avez tous l'air en forme. Viens là, toi. Du calme, contrôle-toi, je dois m'excuser pour tout à l'heure. Peut-être accepterez-vous cela comme une tentative de conciliation? Qu'est-ce que tu mijotes? La garde en haut pourrait nous entendre. Je vous expliquerai plus tard. Venez. Suivez-moi. Le garde est juste devant. Bien, pas un bruit, c'est compris? J'ai assaisonné sa soupe avec une bonne pincée de poudre soporifique. Parfait, ça a marché, il dort comme un bébé. Pas marrant, c'est mieux le laxatif. Bien, par ici, je te jure, le cliché du garde qui dort. Bien, nous sommes en sécurité ici, nous pouvons parler. Bien, dis-nous ce qui se passe. Dans quelle galère vas-tu nous entraîner maintenant, hein? Comme je vous l'ai déjà dit, je suis désolé. Si je n'avais pas menti à propos de la chevalière, Marcelo me serait tombé dessus. Et je n'ai nulle part où aller s'ils me mettent à la porte, mais je suis venu vous libérer, non? Allez, ne soyez pas en colère, laissez-moi vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu avant. Un passage secret dans l'engin de torture! Quoi donc? Eh, ça! C'est du vrai sang sur ces pointes! Si je vous jetais là-dedans et que je fermais la porte, vous vous feriez transpercer de partout. Je pourrais vous transformer en passoire sans même me salir les mains, pas mal, hein? C'est cramé le passage secret. Hein? Oh! Vous m'entendez dehors? Il y a un passage secret là-dedans. Comme je disais, pas mal, hein? Ouais, pas mal, pas mal. Alors, toc, toc. Si nous traînons trop longtemps dans le coin, ils m'attraperont en train de vous aider à vous enfuir. Allez vite! La vierge de fer rouillée est tachée en air menaçant. À la bonne heure! À quoi tu joues, hein? D'abord tu nous dénonces pour quelque chose qu'on n'a pas fait, et puis après tu nous aides. Ouais. Désolé pour cette confusion, les gens d'ici ont du mal à me faire confiance. Je ne pouvais pas prendre votre défense avant, cela aurait eu l'effet inverse de celui escompté. L'homme qui vous a interrogé, Marcelo, il me hait. C'est pourquoi j'ai dû le laisser vous mettre en prison avant de pouvoir vous aider. C'est bien beau tout ça, mais tu ne nous connais ni d'Ève ni d'Adam. Ça ne t'inquiète pas qu'on soit amis avec ce vieux monstre, hein? T'es juste content de nous faire sortir, c'est ça? C'est vrai, je ne sais rien de vous. Et je n'étais pas là quand vous avez été arrêté, mais je sais que vous avez sauvé la vie du père Francisco. Parce que, juste avant que vous soyez emmené dans la salle d'interrogatoire, la présence funeste qui flottait dans l'air a disparu. Je dois vous remercier pour cela. Je ne suis pas si abominable, je ne vous aurais pas abandonné. Et de plus, je ne pouvais pas rester les bras croisés alors qu'il y avait une femme en danger. Marcelo est un inquisiteur redoutable, vous savez. Cela mène dehors. Ah oui, je vois où on est. Médéa, ma Médéa, tu es saine et sauve. Tu ne t'es pas senti trop seule sans moi? Voilà, voilà, tout va bien, nous allons quitter cet horrible endroit sur le champ. La princesse et moi-même passons devant, ne restez pas trop à la traîne. La princesse? Peu importe, allez, partez. Il faudrait vraiment que vous le fassiez exprès pour rater votre fuite maintenant. En tout cas, je suis désolé pour tous ces ennuis. Adieu donc, que la déesse veille sur vous et vous protège au cours de votre voyage. Mais c'est Cramé qui va nous rejoindre. Il est sur la photo de la miniature. Le pont! Est-ce que toute la baie est en feu? Ce fou n'a pas pu revenir quand même. Oh non! Je dois sauver le père Francisco!
un truc là. Ah oui, je prends des dégâts d'empoisonnement. Pocket. Ouais. J'arrête pas, putain. Ça m'étonne d'avoir tenu aussi longtemps sans Atchoumé d'ailleurs. Pas de panique, ce n'est qu'un petit feu en cuisine. Il sera bientôt éteint. C'était où la cuisine? Je sais plus. Je te jure, ils sont tous en mode tranquille. Des vrais dingues. C'est trop dangereux de rester ici. Tous ceux qui n'habitent pas la bille devraient partir avant d'être pris dans les flammes. Ah bah les autres, ils peuvent être pris dans les flammes, on s'en fout. Ah si, la cuisine, c'était par là. C'était une de ces portes, je crois. Ils ont travaillé le petit. On nous a menti, la cuisine est là. Je viens de voir Angelo fouiller les quartiers des Templiers de fond en comble. C'est rare de le voir si actif. Je suppose qu'il cherchait Marcelo, il voulait sûrement lui signaler l'incendie. Maintenant il fouillait pour trouver l'incendie. Ah bah oui, ça ressemble bien à un incendie de cuisine. Ah, ça brûle, bon sang, on ne peut pas atteindre le père. Le pont, il va s'effondrer. Nous devons traverser pour atteindre l'île avant qu'elle ne disparaisse dans les flammes. Ne perdez pas de temps, espèce de lâche. Nous devons, ne perdez pas de temps. Cherche l'erreur. Ah bah voilà. Et lui va faire une pirouette cacahuète, Blanquette. Bon sang, où est Marcelo? Encore cette funeste présence. Non, pas funeste, c'est pire que ça. C'est le mal à l'état pur, comme si tous les démons de l'enfer s'étaient rassemblés pour se repaître de... Père Francisco! Putain, il court tel un ninja de Konoha. C'est fermé de l'intérieur. Marcelo, tu es là-dedans! Bon sang, que se passe-t-il? C'est affreux, elle ne s'ouvre pas. C'est même abominable. Hé, hey, vous, vous m'avez suivi jusqu'ici? Peu importe, j'ai besoin de votre aide. Une dernière fois, d'accord? Nous allons devoir utiliser la force. On devrait être suffisamment nombreux. La porte est fermée de l'intérieur, il faut l'enfoncer. Allez tous ensemble! Oui! Argue, je meurs! Que s'est-il passé, coton-tige? Allez, reste avec moi, dis-moi ce qui s'est passé! Grâce à la déesse, tu es venu, aide le père, Argue! Qui a pu faire une chose pareille? Il est dangereux, le capitaine Marcelo a des ennuis! Mais c'est vrai, ils ont une tête de coton-tige. Oh, vite, allons-y, tu me suis, hein? Non, ce n'est pas le moment de flâner! Vite! Putain, il me laisse même pas le choix. Ah! Le fou, il faut sauver le père. Putain, les scènes, elles sont géniales. Marcelo! C'est ce fou qui a tout fait, je n'ai pas pu l'arrêter. Il est fort. Hey, c'est manger un Amaterasu là, je sais pas quoi là.
Argue, mais il ne faut pas le laisser faire. Ceci est un ordre, Templier Angelo. Mettez le père Francisco à l'abri. Je reçois pas d'ordre. Rien ne peut m'arrêter. Amaterasu, ouais, c'était ça? Argue, si tu oses toucher au père Francisco. Ne t'inquiète pas, Marcelo, tout ira bien. Tout ira bien. J'ai voué tout mon être à la déesse. Si c'est son souhait, je suis prêt à mourir. Mais misérable pécheur, si ce n'est pas son souhait, alors rien de ce que tu feras ne pourra m'atteindre. La déesse nous protégera tous contre n'importe quelle attaque maléfique. Jean, il va se faire balayer en 2-2. Bien, bien, voilà une foi de... une foi des plus ardentes. Et si nous la mettions un peu à l'épreuve? Attends, 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 attends! Saperlipopette! Ça faisait longtemps, Dolmagus. Ah, voilà le roi crapaud, toujours aussi petit et laid. Silence, redonne-nous à ma fille et à moi notre apparence normale. Réalises-tu ce que tu as fait à mon château? Mort de rire, ça dit, c'est clair. Le pire, c'est qu'à cause de lui, je vais bientôt regarder Dragon Ball GT, hein. C'est vraiment regrettable. Il semblerait que le destin et votre bienveillante déesse soient tous deux de mon côté. Oui, c'est vraiment regrettable, pauvre Francisco. La puissance. Mon travail ici est fini. Qu'il est triste de devoir se séparer. Quel rire maléfique. Il est méchant. Le lendemain, sous une pluie diluvienne, le corps du père Francisco fut mis en terre. Elle est sympa la mise en scène de toutes ces petites séquences là. Bon, par contre, ils sont pas prêts de finir avec la Terre. Hein. Tandis que Dulmagus s'évanouissait une fois de plus dans les ténèbres. Marcelo, après avoir échappé au pire, expliqua à tout le monde ce qui s'était passé la nuit précédente. Donc ses équipes furent lavées de tout soupçon. Lors des funérailles du père Francisco, tous étaient accablés par une peine immense et les cieux manifestaient aussi leur chagrin. Kotonji-sama. Kotonji-sama 2. La pluie tomba jusqu'à l'aube, jusqu'au commencement d'une nouvelle journée. Ah, tu es debout. T'as se lever comme ça, c'est un coup à avoir un vertige. Hein. Je sais que je l'ai déjà dit avant l'enterrement, mais je voulais te confirmer que tout le monde sait que vous êtes innocent. Si vous n'aviez pas été là, le capitaine Marcelo aurait pu se faire tuer lui aussi. Nous vous sommes tous redevables. En tout cas, le capitaine des Templiers voudrait te voir dans son bureau. À plus tard alors, n'oublie pas. Eh, mon boomerang, il a mal, il a un bandage. Salut chef, on dirait que Dolmagus nous a encore filé entre les pattes, hein.
Et tous ces morts, j'arrive pas à y croire. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. Ah, maudit Dun Magus. T'aurais dû me réveiller. Oh, c'est vous. Le capitaine vous attend, dépêchez-vous. Et reste tranquille, toi, je suis le héros. Ah, vous voilà. J'espère que vous avez bien dormi. Le roi Trod m'a tout expliqué. Je vous présente mes excuses pour avoir douté de vous. C'est Dun Magus le vrai coupable. Au nom de la déesse, nous devons anéantir ce fou diabolique. Mais je ne peux pas m'absenter pour l'instant. En tant que nouveau père, j'ai beaucoup à faire. Je dois rester ici pour guider mes fidèles. Alors je me demandais, d'après ce que m'a dit le roi Trod, vous poursuivez tous Dun Magus. J'ai donc une proposition à vous faire. J'aimerais que mon frère Angelo vous accompagne dans votre quête. Ton frère, je croyais que tu ne voulais pas d'un rebelle pour frère. Silence, je ne m'adressais pas à toi. Angelo, tu es le seul dont on puisse se passer pour le moment. Ça c'est sympa. Tous les autres ont des obligations à remplir, tu es le seul qui n'ait aucune responsabilité. Tu veux dire que je suis inutile? Pas la peine d'y aller par quatre chemins. Bien, je comprends. Tu as été parfaitement clair, je vais quitter l'abbaye, je vais voyager avec ces gens, et je vengerai le meurtre de Père Francisco. Coup dur, je te jure. J'attendrai près du chariot avec mes DA, alors... T'as la relation fraternelle, c'est pas trop ça. Hein. Très bien alors, je vous confie Angelo et vous souhaite bon voyage. Merci. Trop aimable. Je crois que j'avais pas pu lire sa bibliothèque très intéressante. Il s'agit de l'édition de printemps du magazine Nous aimons nos armes. Qui n'aime pas le boomerang pour sa capacité à frapper plusieurs ennemis en même temps? Cependant, des voix s'élèvent pour critiquer la faible puissance d'attaque du modèle de base. Nous avons tous réfléchi au problème. Après des mois de recherche, nous sommes fiers de vous présenter le boomerang renforcé. C'est si simple, il vous suffit d'utiliser la chimie pour combiner un boomerang et un objet pointu. Allez, essayez donc, je suis sûr que c'est un clou. Et ouais, moi j'avais pas besoin de la recette. Hein. Il s'agit d'un livre écrit par le Père Francisco. Il y a plusieurs siècles de cela, des hommes et des femmes appelés grands sages parcouraient le monde. Ils servaient de guide et de mentor aux habitants de ce monde. D'après la légende, chacun de ces grands sages était vêtu d'un habit appelé manteau de sagesse. On dit que ces manteaux étaient fabriqués en combinant un manteau magique et un chapeau d'érudit selon une méthode secrète. Si quelqu'un découvrait le moyen de combiner ces deux objets, il obtiendrait un manteau de sagesse. Tox découvre une nouvelle recette pour l'alchimie marmite. Manteau de sagesse, manteau magique plus chapeau d'érudit, ok. Ouais, Nicolas, c'est pas parce qu'il y a un goal qu'on peut pas marquer des buts, hein. Rebonjour, eh bien il semble que nous allons nous voir souvent maintenant. J'espère que cela ne vous embête pas que je vous accompagne. Je ne le fais pas parce que Marcelo me l'a ordonné, je le fais pour le père Francisco. Il était comme un père pour moi, ce fou, ce Dun Magus. Il ne s'en sortira pas comme ça et... Cet endroit, je serai heureux de m'en échapper. Ce n'est pas une punition que de vous suivre, croyez-moi. Et de toute façon, je vous l'avais promis, non? J'avais dit que je vous revaudrais ça quand vous m'avez aidé. Alors Jessica, à partir de maintenant, je vais te protéger. Je ne te quitterai plus, considère-moi comme ton garde du corps. Bien sûr, Roméo, dans tes rêves. Ce forceur, ma parole. Bien, mettons-nous en route.
Parfait! Bah, c'est tout pile comme il faut. Messieurs, dames, c'est la fin de ce petit live. Sadis, Nicolas, merci d'avoir suivi avec moi. C'est très cool de vous voir sur ce petit live Dragon Quest. La team de base est complète. C'est cool. Ouais. Du coup, là, les épisodes vont se rapprocher un petit peu. Enfin, très bientôt en tout cas, puisque Tales of Vesperia sera a priori fini vendredi. Donc, je vais pouvoir en faire un petit peu plus de Dragon Quest 8 et d'avancer. Peut-être un petit peu plus. Bref, je vous dis à très bientôt, messieurs, dames. Ciao, bye bye, bonne soirée!